Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du pain et je vous jure que je le fais pas exprès, mais je vais encore vous parler de Marcel Pagnol. Alors, on a parlé à bien des reprises des pièces de théâtre de Marcel Pagnol, mais il y en a une qui est absolument merveilleuse et c'est La femme du boulanger. On connaît l'histoire avec la métaphore à la fin, avec le chat Pompon et sa pomponnette, etc. La pomponnette ? Ça fait partie des trucs un peu connus, même si on sait pas toujours que ça vient de La femme du boulanger. Mais c'est une pièce qui est extrêmement touchante, extrêmement drôle et qui vraiment nous fait passer par tout un tas d'émotions comme Pagnol sait le faire. Ce qu'on sait un peu moins, c'est que c'est pas complètement une création originale, c'est une adaptation d'une nouvelle de Jean Giono. Et Pagnol a comme ça, tout au long de sa carrière, plusieurs fois adapté Jean Giono, ce qui a créé parfois des petites tensions entre les deux écrivains, même s'il y avait un énorme respect mutuel, parce qu'ils savaient que tous les deux, ils faisaient partie de la même catégorie, la catégorie des grands. En tout cas, lisez La femme du boulanger, vraiment, vous ne le regretterez pas.